Alors souvenez-vous, la semaine dernière, on s'est préparé pour l'embarquement. On est maintenant à bord, on va décoller. Bienvenue à bord. Bonjour, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et la semaine dernière, on a commencé une vidéo sur comment voyager pour la première fois. J'explique un petit peu toutes les étapes auxquelles vous allez passer à travers du moment où vous quittez la maison jusqu'au moment où vous allez atterrir. La semaine passée, on a fait tout le processus de l'aéroport, on s'est installé à bord et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Juste avant de continuer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, il y a le petit bouton rouge par ici qui vous invite à vous abonner, ça aide ma chaîne à être un petit peu plus visible sur YouTube et donc on sera plus nombreux. Aussi, vous pouvez activer la petite cloche, c'est pas déjà fait. Vous aurez juste une petite notification lorsque une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Ça ne vous force pas à la regarder, on ne vous force à rien du tout. Et si vous avez manqué la première partie, eh bien, je vais vous mettre le lien par ici et également dans la barre d'infos. Alors vous êtes installé, maintenant on va se préparer pour le décollage. La première chose, c'est de ranger vos sacs correctement. Ils doivent être soit dans le coffre au-dessus de vous ou sous le siège devant vous. Quand on dit sous le siège devant vous, ce n'est pas sous vos jambes collées à votre siège, c'est vraiment sous le siège qui se trouve devant vous. La raison est toute simple, si jamais on doit évacuer, ça arrive vraiment rarement, mais au cas où on devrait le faire, on a 90 secondes pour évacuer l'ensemble de l'avion en utilisant la moitié des portes. Et ça, quel que soit le type d'avion que vous soyez, que ce soit un petit avion ou un 380 avec plus de 500 passagers. Donc 90 secondes, ça va très vite. Et tout ce qui dépasse du siège devant vous, c'est un risque supplémentaire de trébucher. Et donc, en ayant les choses bien rangées sous le siège avec pas de lanière qui dépasse, là, vous êtes installé de manière sécuritaire. Votre ceinture doit être bien attachée. En général, ça vous le faites avant le décollage, mais si vous voyagez avec des enfants, ils ont bien souvent envie de jouer avec et de l'enlever. Donc, attirez leur attention sur autre chose, sur l'écran de télévision, sur le hublot, sur un jouet que vous avez dans les mains, mais ils doivent rester attachés parce que ça serait vraiment ennuyeux si jamais il y a, pendant le décollage, une baisse d'altitude et que votre enfant commence à décoller. Le volet de votre hublot doit être ouvert. C'est pas le cas aux États-Unis, ils s'en fichent un peu, mais en fait, la raison est toute simple derrière ça. Si jamais, une fois de plus, on doit évacuer, vos yeux doivent s'habituer immédiatement à la lumière extérieure. Donc s'il fait très très jour à l'extérieur et que tous les hublots étaient fermés parce que les gens veulent dormir avant le décollage et qu'on doit évacuer, eh bien vous allez être complètement ébloui au moment de sortir. Donc c'est pour que la luminosité soit vraiment la même à l'intérieur et à l'extérieur de l'avion. C'est pourquoi au décollage et l'atterrissage, en général, on va réduire la plupart des lumières et on va laisser la lumière naturelle de l'extérieur s'ajuster dans la cabine. Bien sûr, la tablette de votre siège doit être rangée. Si jamais il y a un coup de frein, on ne voudrait pas que vous rentriez le ventre dans la tablette, ce ne serait pas très agréable. Et le dossier de votre siège doit être redressé, et ça même si vous êtes au dernier rang. Alors évidemment, ça ne va pas gêner quelqu'un derrière vous, parce qu'en général, c'est les toilettes, mais ça permet d'avoir la bonne position en cas d'urgence. Si vous entendez l'annonce brace, vous devez vous mettre dans une position de sécurité, et si votre dossier n'est pas redressé correctement, vous ne serez pas dans la bonne position, et donc ça peut être un peu plus dangereux. Un décollage, c'est toujours très intéressant, surtout si c'est votre premier vol, donc essayez dans ce cas-là d'avoir un hublot pour essayer de profiter au maximum de la vue. Au moment du décollage, les réacteurs vont faire du bruit, c'est normal. Imaginez que ces 2 ou 4 réacteurs doivent pousser, avoir une poussée assez forte pour pouvoir faire décoller un avion qui pèse déjà lourd, le carburant, les bagages et tous les passagers qui sont à bord. Donc on doit avoir une poussée très importante. C'est là où on va les pousser au plus pendant le vol en général. Et donc ils vont faire du bruit, mais une fois que vous avez décollé, en général, le bruit va commencer à s'atténuer. Et puis pendant le décollage et l'atterrissage, c'est là où on va être très souvent amené à passer à travers des courants d'air. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous êtes sur l'autoroute dans votre voiture et qu'il y a une belle bourrasque qui vous décale un petit peu sur la droite ou la gauche. C'est un peu la même chose, sauf que l'avion va aller à droite, à gauche ou un petit peu en haut, en bas. Donc c'est rien de très dangereux, c'est contrôlé par le cockpit, mais c'est pour ça qu'il faut que vous gardiez votre ceinture attachée pendant ces phases de décollage et d'atterrissage. Mais rassurez-vous, ça n'a vraiment aucun danger pour vous. Alors maintenant, on a atteint la vitesse de croisière, la consigne des ceintures s'éteint et puis les agents de bord vous commencez à préparer pour le service, éventuellement vous offrir à boire, à manger, dépendamment du vol et de la compagnie sur laquelle vous allez. Quelques petites choses pour vous aider. Tout d'abord, si vous voyagez avec des enfants, des bébés ou des enfants, j'avais fait une vidéo pour les bébés et une pour les enfants, vous donnant des conseils sur comment voyager avec eux. Donc je ne vais pas les répéter ici, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos, mais ça vous donne des petites idées sur comment les occuper. Dans la plupart des avions, vous avez la possibilité d'incliner votre siège pour vous donner un petit peu de confort, surtout si vous êtes en classe économie, ça peut être agréable. Il y a une petite étiquette par rapport à ça, donc je vais juste vous donner les règles. Tout le monde ne les connaît pas, tout le monde ne les respecte pas, mais je vais vous dire un petit peu comment faire ça dans des bonnes conditions. Donc vous pouvez incliner votre siège, ce n'est pas un problème. Pendant le service de repas, lorsque le passager qui est derrière vous a son plateau, sa tablette de BC et son plateau repas, on vous demande toujours de redresser le dossier de votre siège parce que sinon le plateau va avancer encore plus et la personne va avoir 3 cm pour manger. Donc même chose pour le passager qui est devant vous, ne faites pas en vous battant, là ça se demande tout simplement gentiment, ou si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander à votre agent de bord.
Une fois que le plateau de la personne derrière vous a été récupéré, attendez à ce qu'on ait enlevé son plateau pour que lui aussi ait rangé sa tablette. Dans ce cas-là, vous pouvez incliner votre siège. Alors, il y a trois moyens de le faire. Le premier, c'est le faire en se foutant de tout ce qui se trouve autour de vous. Donc, simplement appuyer sur le bouton et recliner et incliner le siège d'un coup. Si la personne derrière vous avait un ordinateur, vous avez des bonnes chances d'abîmer son écran puisque votre siège va compresser l'écran. Donc, à éviter. Le deuxième moyen, c'est de poser la question tout simplement. Attention, je vais reculer mon siège, incliner mon siège. Tout le monde peut faire ça, tout le monde a cet espace-là. Mais des fois, ça peut créer des petites tensions, des chicanes, des moments malaisants. Donc, vous pouvez faire comme moi, de manière un petit peu, je le fais discrètement. C'est-à-dire que je vais appuyer sur le bouton, puis je vais l'incliner de quelques centimètres, de 2 ou 3, et puis je vais attendre 5-10 minutes, puis je vais le faire encore un petit peu, puis je le fais progressivement. Donc, ça passe beaucoup mieux et j'ai jamais eu personne qui s'est plaint. Il y a des grandes chances de nos jours à ce que vous écoutiez la musique ou vous regardiez un film, puisque maintenant on a tous soit un écran devant nous, soit on a amené notre propre écran avec nos tablettes. Faites attention, si vous utilisez des écouteurs cheap, pas chers, bien souvent le son va sortir autour. Donc si vous écoutez quelque chose qui est assez fort ou de la musique assez forte, faites très attention à ce que de ne pas gêner les gens qui sont autour de vous. N'oubliez pas que dans l'avion, vous avez quelqu'un à quelques centimètres de vous sur le côté, sur l'autre côté, devant et derrière. Donc c'est un espace qui est confiné, on est très nombreux. Et donc, il faut respecter les gens qui sont autour de vous. Donc faites attention au niveau sonore de vos écouteurs. Si vous êtes avec un bébé aussi ou un enfant qui joue avec les tablettes, assurez-vous à ce qu'il ait des bons écouteurs dans ce cas-là, qu'il ne puisse pas vraiment les enlever, ça couvre l'ensemble de l'oreille. Les toilettes, ça j'en ai parlé plusieurs fois, vous avez des toilettes dans l'avion, c'est votre première fois que vous les utilisez, vous allez sûrement avoir un petit choc quand vous allez voir à quel point elles sont petites, c'est à peu près la taille du frigo. J'exagère vraiment pas beaucoup. Donc vous allez voir que c'est très bien conçu. Par contre, comment ouvrir la porte? C'est amusant, mais il y a des centaines de personnes qui savent toujours pas comment ouvrir la porte des toilettes et qui appuient un petit peu d'un peu partout. Donc j'avais fait une vidéo, c'était une de mes premières vidéos et c'est un ami qui m'a demandé de la faire. Je vais vous mettre le lien également dans la barre d'infos sur comment utiliser les toilettes de l'avion. Et petit conseil, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, par terre dans les toilettes, le liquide que vous voyez, ce n'est pas de l'eau. Donc ne venez pas pieds nus, mettez des chaussures. Je sais que des fois vous avez déjà enlevé vos souliers pour avoir plus de confort dans l'avion, mais remettez vos chaussures, n'y allez pas en chaussettes. Les chaussettes vont absorber le liquide qui va être encore plus longtemps en contact de vos pieds. Donc est-ce que vous avez envie de marcher dans le pipi d'un inconnu? Je pense pas. Donc mettez vos souliers. Il faut boire dans l'avion, je parle pas d'alcool. Vous êtes dans un environnement qui est en altitude où l'air est très sec, il y a moins d'oxygène et l'air d'un avion est toujours très très sec. Donc il faut vous hydrater et le meilleur moyen de s'hydrater c'est de boire de l'eau. Vous pouvez boire du thé, du café, de l'alcool, mais faites-le en petite quantité. Tout d'abord, si vous voulez dormir, combien de fois j'entends des passagers, je leur dis, je leur pose la question, vous avez dormi pendant le vol? Oh non, j'ai pas réussi à dormir. Vous avez demandé un café juste avant de se dormir quand on a éteint les lumières après le repas. Donc évidemment, ça va pas aider. Donc évitez le thé, le café. Et l'alcool n'est pas très bon aussi. Il y a des études qui montrent qu'un verre d'alcool à bord correspondrait à 3 à 4 verres d'alcool au sol. Donc si vous êtes quelqu'un qui tient bien à l'alcool, réduisez quand même vos quantités parce que vous n'avez pas envie d'être intoxiqué à bord, ça peut très mal se finir. Et ne mélangez pas l'alcool avec des pilules pour dormir, c'est toujours une mauvaise idée. Et puis il faut s'occuper, votre vol peut durer une heure comme il peut durer 16 heures, donc il faut trouver de quoi faire. C'est bien tant de fois de relaxer vos yeux et ne pas regarder un écran pour une fois, même si en ce moment vous êtes sur YouTube. Donc, bien sûr, vous pouvez préparer votre écran, votre tablette avec des choses que vous avez envie de voir. Mais j'avais fait également une vidéo vous donnant des petites idées sur des choses que vous pourriez faire à bord. Et quand je l'avais faite, j'avais pensé au temps où il n'y avait pas d'écran personnel qu'on pouvait emmener ou pas d'écran sur votre télé, sur votre siège. Et donc, c'est des choses toutes simples comme écrire une lettre, comme lire le mode d'emploi de votre appareil photo ou même faire du tricot parce qu'on voit encore des gens qui font du tricot, et c'est peut-être l'occasion. Si vous avez 16 heures, vous pouvez bien vous occuper pendant une heure. C'était un exemple un peu extrême, mais sur la vidéo, j'avais donné plusieurs conseils sur qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous êtes dans un avion. Alors, on va bientôt atterrir, on va se préparer pour l'atterrissage, et là, vous connaissez déjà tout parce que ce sont les mêmes consignes que pour le décollage. Simplement, entre deux, vous avez pu vous éparpiller un petit peu, donc c'est le moment, avant de vous préparer pour l'atterrissage, de regarder toutes les pochettes du siège, etc., voir toutes les choses que vous avez éparpillées partout, essayer de commencer à les ranger, garder que l'essentiel dont vous avez besoin pour l'atterrissage. Le reste, vous pouvez déjà commencer à le pacter, le mettre dans votre bagage de cabine pour gagner du temps lors du débarquement. Et c'est le cas, surtout si vous avez des enfants, gardez seulement l'essentiel. En général, on a amené beaucoup de choses pour les enfants, mais on n'a pas besoin
besoin de tant de choses juste pour l'atterrissage. En parlant des enfants, c'est un bon moment, dès que vous commencez à sentir la descente ou dès qu'on fait une annonce, de les emmener aux toilettes, un peu de les forcer d'aller aux toilettes, parce que après, ben, pendant un bon 30 à 45 minutes, vous n'allez pas pouvoir aller aux toilettes parce qu'on est dans les phases de descente et après, il faut attendre d'avoir débarqué pour pouvoir commencer à accéder, approcher les toilettes. Donc, allez aux toilettes si vous êtes quelqu'un qui va assez souvent ou invitez vos enfants à y aller pour éviter ce genre de stress supplémentaire lors de l'atterrissage. Alors l'avion vient d'atterrir, je trouve ça toujours un petit peu moins impressionnant qu'un décollage, mais bon, ça reste quand même quelque chose d'assez impressionnant, donc préparez-vous toujours à ce qu'il y ait ces légers coups de vent qui poussent l'avion un petit peu à droite à gauche, mais c'est rien de bien méchant. Lorsque l'avion est sur la piste, ensuite il va sortir, il va aller sur des autres routes qui vont l'amener vers le terminal, et dépendamment de l'aéroport sur lequel vous êtes, ça peut être assez long, ça peut prendre 20 à 30 minutes parfois de roulage avant ce qu'on arrive à la porte si vous êtes sur un gros aéroport. Il faut garder votre ceinture attachée en tout temps. Vous savez que l'avion a des freins très puissant, vous vous êtes rendu compte lors de l'atterrissage, mais c'est pas parce qu'on roule, on a l'impression qu'on roule à faible allure, mais on roule quand même assez vite, et chose que vous ne voyez pas parce que vous n'êtes pas dans le cockpit, il peut y avoir une voiture qui s'engage et qui n'a pas respecté les consignes de la tour de contrôle, qui s'engage sur une route, et l'avion serait obligé de freiner brusquement. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va arriver si ce n'est pas votre ceinture? Vous allez vous retrouver trois sièges en avant. Donc non seulement vous allez vous blesser, mais vous allez blesser aussi les passagers des sièges qui sont autour de vous. Donc gardez votre ceinture attachée, ça ne vous d'avance à rien de toute façon de la détacher, puisque lorsque l'avion va arriver à la barrière, que la consigne va être éteinte, ça va prendre un bon 5 minutes minimum avant à ce que la passerelle ou l'escalier soit accroché à l'avion et qu'on puisse commencer à faire débarquer les premiers rangs près de cette porte-là. Donc en vous détachant à l'avance, vous n'allez sauver aucun temps du tout. Donc gardez votre ceinture jusqu'à la dernière seconde. Quand la consigne des ceintures s'éteint, ça veut dire que vous pouvez vous détacher de manière sécuritaire. En débarquant, avant de quitter l'avion, donnez un dernier coup d'œil à toutes les pochettes ou sous votre siège, essentiellement si vous avez des enfants, mais tous les jours, je trouve des passagers qui laissent leur passeport, qui laissent leur tablette, qui laissent leurs écouteurs, qui laissent leur coussin pour le cou, etc., dans le siège ou autour du siège, et après qui veulent retourner dans l'avion, mais il y a des endroits où c'est compliqué de retourner dans l'avion lorsqu'on a déjà débarqué, on ne vous laisse pas le faire. Donc, ça... Si vous voulez éviter d'avoir à dealer avec les services de bagages pour les objets perdus, regardez, prenez ces 10 secondes pour regarder vraiment partout autour de votre siège si vous n'avez rien laissé. Et puis en sortant de l'avion, vous pouvez remercier votre agent de bord, votre équipage. Si le vol est agréable, dites-leur, ça fait toujours plaisir à entendre. Et puis en général, nous, on va partager ça avec le reste de l'équipage. Et puis ensuite, vous avez juste à suivre un petit peu tout le monde pour aller vers les livraisons des bagages. Il y a des pancartes qui vous diront sur où se trouvent les carousels et des écrans qui vont dire sur quel carousel se trouvent vos bagages. Beaucoup de bagages se ressemblent. Donc si vous avez un sac noir, une valise noire, il y en a des centaines d'autres dans cet avion qui sont aussi très très similaires au vôtre. Donc assurez-vous de prendre vraiment votre bagage, regardez votre nom, regardez éventuellement le numéro de l'étiquette bagage que vous aviez reçu qui vous donne ce même numéro. Et si jamais il y a un souci avec votre bagage, les services des bagages de la compagnie devraient pouvoir vous assister. Si jamais votre valise n'est pas arrivée, ça arrive rarement, mais ça arrive des fois, ça m'est arrivé à moi aussi. C'est pour ça qu'une assurance voyage est toujours quelque chose de bon à prendre, parce que dans ce cas-là, votre assurance va vous donner des sous pour pouvoir magasiner et vous acheter des vêtements propres, un déodorant, une brosse à dents, etc. Voilà, une fois de plus, je suis rentré un petit peu dans les détails de certaines choses. Je vous ai donné des liens sur d'autres vidéos que j'ai déjà faites. Cette petite série était vraiment pour les gens qui sont novices, qui ne prennent pas l'avion souvent. Donc, si c'est pas votre cas, mais vous connaissez quelqu'un qui voyageait bientôt, n'hésitez pas à le partager. Si vous allez prendre l'avion avec des enfants qui n'ont jamais pris avant, inspirez-vous de cette vidéo pour leur expliquer les différentes phases. Ça fait que ça devrait les rassurer ils devraient se sentir un petit peu mieux parce qu'ils savent à l'avance un petit peu ce qui va leur arriver. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Une fois de plus, vous pouvez vous abonner, ça aide la chaîne à être un petit peu plus visible sur YouTube. On s'approche des 2750 abonnés, donc tranquillement, pas vite, on va arriver aux 3000. Merci de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!